So next up, this is our last presentation. It's Julian, who's gonna be talking about packet manipulation with Scapy. Ok, bonjour tout le monde. Bon, je suis désolé, je parle en français. Vous voulez pas forcément entendre un français parler en anglais. C'est agréable pour personne. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la manipulation de paquets avec Scapy. Donc, Scapy, c'est un outil qui est développé pour simplement être interactif et aussi utilisé dans les scripts directement en Python. Il est packagé sur Ubuntu, Debian, puis sur la plupart des Red Hat, Fedora aussi. L'interface, ça se présente comme un interpréteur, comme IPython, comme ça. Donc, c'est vraiment un interpréteur Python complet. Mais vous pouvez aussi l'importer dans vos scripts. Est-ce qu'il sert entièrement à manipuler des paquets? Donc, d'après le site web, ça sert à forger, décoder, capturer, envoyer, faire des correspondances entre des requêtes et des réponses. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter rapidement qu'est-ce que c'est Scapy, puis juste faire un tour d'horizon, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de documentation, mais c'est vraiment très utile pour la manipulation, que ce soit en sécurité ou reverse engineering. Les fonctions qu'on cite ici, il y a beaucoup d'outils qui font déjà ça. Vous avez bien, il y a déjà HPing, Nmap, il y a déjà beaucoup d'outils. L'intérêt ici, c'est que c'est vraiment un seul outil qui intègre tout et directement en Python. Donc vous avez toute la puissance du langage Python, mais en plus, vous avez des objets pour manipuler directement des paquets réseau. Et il n'y a aucune intelligence en fait derrière Scapy. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous allez vraiment manipuler les données brutes. Puis c'est vos scripts qui vont faire l'intelligence. Donc il ne va pas essayer d'interpréter les résultats. Si vous regardez Nmap, quand vous envoyez un paquet qui vous renvoie le résultat filtré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la machine est morte, ça veut dire que vous êtes fait intercepter par un routeur entre deux, ça veut dire que la machine de destination ne vous répond pas. Il y a beaucoup d'hypothèses, puis Nmap d'habitude, a l'habitude de répondre pour vous. Lui, il ne fait rien de tout ça, il va vraiment vous laisser diagnostiquer tout ça. En plus, il va vous servir aussi à injecter des paquets non valides. La plupart des paquets, des outils qui servent à manipuler du réseau, ils vont vouloir injecter des paquets valides avec bien formé tout ça. Ici, il va vous laisser faire vraiment ce que vous voulez sur le réseau. Vous pouvez descendre vraiment très bas dans les couches, vous pouvez aller jusqu'au 802.11, puis vraiment créer votre... vous pouvez faire un point d'accès au complet directement avec des scripts en Python, si votre carte supporte l'injection des paquets. Puis vous pouvez ensuite combiner toutes les techniques. Donc si vous voulez fabriquer un paquet qui sert à sauter d'un VLAN, puis dans ce VLAN-là, injecter des paquets ARP, vous pouvez juste enchaîner les paquets juste en quelques lignes de commande en Python. Donc là, je vais vraiment vous présenter une liste de scripts avec des petites démos de comment ça fonctionne, puis après quelques exemples un peu plus avancés. Okay. Donc tout d'abord, on a des commandes. Donc ça, c'est les commandes intégrées. Ça, c'est vraiment juste les quelques-uns que j'ai sortis. Il y en a beaucoup plus que ça. C'est juste pour donner des exemples. Donc avec l'ELS, ça nous donne la liste des couches qui sont déjà définies. Donc vous voyez déjà des couches de protocoles que vous connaissez déjà, RP, DHCP, DNS. Ça supporte complètement IPv6, puis mobile IPv6 aussi. Et c'est très facile aussi de rajouter des nouvelles couches. Donc si jamais vous avez un protocole que vous voulez analyser, par exemple justement un malware qui fait du trafic, vous commencez à comprendre le protocole, vous pouvez fabriquer vos classes Python. Puis lui, il va vous permettre d'interpréter et puis manipuler automatiquement des paquets. Donc c'est assez utile. Puis il y a beaucoup de fonctionnalités déjà, des fonctions toutes faites, comme ici vous avez ARP cache par exemple, donc directement vous lui passez deux adresses IP, puis il va faire automatiquement le man in the middle en ARP, code 8 bits pour changer des bits aléatoires dans des paquets, fragmenter, défragmenter, une fonction de fuzzing. Bref, je vais vous montrer un peu tout ça. Donc, premier exemple, simplement envoyer un ping. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'interface, je sais pas si vous voyez quelque chose. Est-ce que vous voyez quelque chose ici? Qu'est-ce qui divise par ICMP? Bon. Dans ton code? Non, en fait, c'est moi, je peux vous montrer. En fait, la syntaxe, c'est qu'on fait des objets, donc IP c'est un objet, ICMP c'est un objet, et on empile les couches avec des slash. Donc c'est l'opérateur slash, en fait, ça sert juste à mettre des nouvelles couches, donc c'est vraiment très facile d'empiler n'importe quoi. Puis, une des fonctionnalités pratiques de Scapy, c'est qu'aussi les valeurs par défaut fonctionnent. Donc là, vous voyez, j'ai pas précisé grand chose, j'ai juste mis une destination, puis c'est l'adresse IP de Montréal Python, puis c'est simplement une adresse IP, puis lui, automatiquement, il va générer tous les champs comme il faut. Et puis le type ICMP, automatiquement, c'est un ping, donc c'est un echo request.
Donc ça c'est la version simple. Bon, ici ça marchera pas le ping de mon LabPython. Je vais vous montrer avec un autre exemple ici. Et ici je vais simplement pinger une machine virtuelle qui tourne sur mon laptop. Donc la première chose que j'ai fait ici c'est mettre l'interface réseau pour Scapy, parce que lui il va pas utiliser la table de routage, il peut l'utiliser mais on veut vraiment limiter l'utilisation, donc on doit vraiment tout lui indiquer. Donc là je lui ai dit que c'était un bridge qui est sur ma machine. Puis là ici je fais simplement envoyer un ping. Donc ça c'était la commande qui était marquée sur l'écran. SR1 c'est send receive un paquet. Donc j'envoie un paquet, j'envoie ce paquet là, puis j'attends la réponse qui va être associée au paquet. Puis je stocke le résultat dans la variable PA. Donc si on regarde la variable PA maintenant, ce qu'elle contient, on regarde un peu. Donc là ce qu'on voit ici c'est automatiquement, ça c'est le paquet que j'ai reçu en réponse. Ici on voit ici il a interprété le type ICMP parce qu'il connaît la correspondance entre le numéro et le texte. Puis automatiquement ça c'est tous les champs du paquet IP. Donc ici si vous voulez après ensuite accéder à la couche directement ICMP, vous pouvez directement accéder ici, puis simplement afficher ça. Vous pouvez manipuler les champs. Donc si vous voulez changer le code ici, vous pouvez juste faire le code égal à 1 ici. Puis là je viens de mettre à jour automatiquement mon paquet. Donc ça c'est très facile à manipuler, puis c'est vraiment un accès direct au paquet. Donc ça c'est mon premier exemple, c'est simplement pour envoyer un ping. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que je parle assez fort ou... Deuxième exemple, donc en fait on va... c'est un peu la même chose que ce que je viens d'expliquer juste avant, mais c'est juste pour montrer qu'on peut créer le paquet en plusieurs étapes. Donc là la variable A ici ça va être simplement une adresse IP. On va changer le champ ID du paquet IP. On va créer une variable B qui va contenir un tableau de port de destination. Puis au final on va créer le paquet C qui va être la couche IP et la couche TCP en fil. Donc là en fait ce qu'on vient de faire c'est qu'on vient de créer trois paquets en une seule variable. Donc là ici vous avez un tableau, puis si j'envoie ce paquet là ici, ça va générer trois paquets. Donc si je fais ça ici, là je change le ID, c'est juste pour montrer qu'on peut accéder directement au champ du paquet IP directement. Là, on crée la couche TCP, on crée le paquet ici. Donc là si on regarde C, ici il contient un paquet IP avec en dessous une couche TCP, puis trois ports ici. En plus, il a reconnu les ports, il a déterminé ça. Puis là, on peut les envoyer. Donc là, ce qu'il vient de faire, c'est qu'il vient d'envoyer trois paquets, basés ici sur les trois ports de destination qu'il y avait. Et il a mis des réponses dans la variable D. Donc là, la variable D, si on regarde, on voit qu'il y a trois paquets TCP qui ont eu une réponse, puis tous les autres. Mais si j'avais pas eu de réponse, j'aurais aussi pu les récupérer. Si on rentre ici, on a notre premier paquet TCP. Donc ça ici, on a la requête et la réponse. Donc si je regarde ici la requête, ça c'est mon premier paquet TCP. Donc en gros, c'était un TCP SYN que j'avais fait à destination du port SSH. Puis si on regarde, on peut rapidement regarder sa réponse ici. On voit que la machine m'a répondu ici. Donc son port source, c'est le port SSH. Et elle m'a envoyé un SYNRAC ici. Donc ça, c'est un port qui fonctionnait. Si je regarde, j'avais une autre machine ici, elle, je connectais sur le port 23, le port Telnet qui est fermé sur ma machine. Donc là, j'ai envoyé un SYN, puis la réponse ici, on voit un reset ici. Donc, simplement, vraiment très rapidement, vous avez vu ces quelques lignes, puis on a généré trois paquets, on a reçu, envoyé et reçu la réponse. Si on regarde maintenant, on peut aussi descendre un peu plus bas dans les couches. Donc là, j'ai parlé de 802.11 tout à l'heure, mais il y a aussi entre les deux, on peut aller jouer directement sur la couche Ethernet. Donc, si on veut fabriquer des paquets RP, si on veut faire du man in the middle à la main, c'est aussi très facile à faire. Il suffit simplement de préciser la couche Ether en dessous. On a accès à tous les champs de la couche Ethernet. Donc là, pour l'instant, j'ai juste pris l'adresse MAC de destination, qui est l'adresse MAC de broadcast, mais on a pu mettre n'importe quoi. Ça, normalement, c'est une seule ligne. IP ici, j'ai plusieurs destinations. Et ici, j'ai plusieurs TTL. Donc en fait, ce que ça génère 18 paquets. Ça génère 9 paquets pour montréalpython.org avec un TTL de 1 à 9, puis 9 paquets pour montréalruby avec la même chose. Donc ça fait une composition de toutes les possibilités. Ouais, c'est ça. Donc là en fait, le SendP ici, c'est l'envoi du paquet. Puis lui, il a envoyé 18 paquets avec toutes les combinaisons possibles qu'il y avait dans ça.
c'est assez intéressant parce qu'une seule ligne, puis on peut tout faire ici. La différence, tout à l'heure, je faisais des scènes, des SR, puis scène receive. Scène P ici, on est obligé de l'utiliser quand on précise la couche Ethernet aussi. Donc c'est pour dire qu'on s'adresse au plus bas niveau, puis qu'on veut gérer nous-mêmes la couche Ethernet. Il y a quand même un send and receive pour l'Ethernet. Non, c'est vraiment tout manuel. Il n'y a pas d'ARP, il n'y a rien de tout ça. Okay. C'est la différence. Si on fait scène, on va avoir l'ARP qui va générer tout ce qu'il faut. Si on fait scène P, là, il s'attend à ce qu'on ait bien mis les champs. Puis on peut mettre ce qu'on veut, là, vraiment. Donc c'est ça l'intérêt. D'ailleurs, on peut jouer aussi avec du phasing. Donc là, on peut lui dire on va fabriquer un paquet à destination d'une destination quelconque. Puis la couche d'au-dessus, on va vouloir phaser tous les champs. Sauf. Donc on veut absolument que ce soit un paquet UDP, par contre. Puis dans ce paquet UDP, on a un payload qui soit un paquet NTP de version 4. Tout le reste, ça peut bouger. Donc là, il va automatiquement nous générer une liste de paquets qui va servir à envoyer. Je vais vous montrer la petite démonstration ici. Donc là, ici, là, je suis en train d'envoyer des paquets. Puis si on regarde. Oui, ça peut être n'importe quoi. D'accord. Je suis en train d'envoyer des paquets. Si on regarde ici, ça automatiquement il est en train de faire des paquets. Ce qu'on voit, c'est que TCP dump ici, il remarque que c'est quand même des paquets NTP valides. Mais on voit que ici, à la vitesse où ça change, c'est vraiment tous les types possibles qui sont en train d'être passés. Donc là, il a généré 874 paquets. On aurait pu enregistrer, puis après les rejouer, puis faire des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment très pratique parce que lui, quand il connaît les champs, il va s'amuser automatiquement à remplacer les valeurs au bon endroit. C'est un moyen d'entrer dans la loop, dans le sens que tu veux peut-être vérifier qu'un process a planté. Ouais, c'est ça plutôt. Ici, à la place de faire le send, ici, j'aurais pu simplement générer un tableau puis envoyer des paquets à part. Okay. Donc c'est pour après pouvoir les rejouer et être sûr exactement quel paquet fait le problème. On peut aussi récupérer du trafic, donc tout simplement ici avec la commande sniff, je vais la montrer après plus tard. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on lui passe le nombre de paquets qu'on va recevoir. Donc ça, c'est vraiment un TCP dump. Puis filtre ici, c'est un filtre à la TCP dump. Donc c'est la même syntaxe exactement. Puis lui, dès qu'il a reçu deux paquets sur le port 22, automatiquement il va retourner. Puis il va nous retourner ça dans un tableau qui va être une liste de paquets. Donc après, on peut les manipuler et puis faire ce qu'on veut avec. On peut lire des fichiers PCAP. Donc ça c'est très pratique aussi pour l'analyse rapide de fichiers. Ici donc c'est la commande rdpcap avec un fichier. Puis ici là j'ai un petit exemple d'une petite fonction qui va juste passer dans la liste des 43 paquets TCP. Puis s'il y a des données, il va regarder est-ce qu'il y a la chaîne cookie qui est présente dans le payload, puis il va l'afficher. Donc là si je regarde ici j'ai un petit web.pcap qui est juste une requête, une connexion à Google ici. Ça c'est le script que je viens de vous montrer ici. Ici, ce qu'il a fait, c'est qu'il est passé dans les 43 paquets, puis il m'a affiché à chaque fois l'adresse IP, source, destination, avec les ports source, destination, puis simplement ici le payload, seulement s'il détectait la chaîne cookie ici. Donc ça permet de passer très rapidement à travers les paquets sans forcément avoir besoin de les inspecter manuellement. Un exemple de script, vous connaissez. Est-ce que tu tapes sur un réseau live, percevoir les paquets rentrés? Oui, le sniff, la commande sniff ici, c'est ça. Elle va se baser sur l'interface qu'on a mis en configuration. Puis lui, il fait juste écouter sur le réseau. C'est des événements qui sont garochés à chaque fois que tu as un paquet? En fait, si on a un count, il y a plusieurs façons de le faire. Là, j'ai mis count égale 2, donc A2, il retombe. Puis là, on peut traiter. Et sinon, on peut mettre un paramètre qui est une fonction qui doit appeler à chaque paquet. Donc, il y en a qui mettent des lambda, puis ils font automatiquement leur fonction là-dedans. C'est vraiment ça. Ici, vous connaissez peut-être TCP Replay, qui sert à prendre un fichier PCAP en entrée, puis le réexécuter en sortie. Ici, ça c'est un exemple un peu plus évolué de TCP Replay, parce qu'ici on va lire un fichier PCAP, puis pour chacun des paquets, on va appliquer une modification. Et ici, ce que je fais, c'est que je change l'adresse IP de destination. Donc au lieu que ce soit 127.0.0.1, je vais mettre 127.0.0.2, puis je vais renvoyer le même paquet.
Donc automatiquement, je vais changer la façon de faire le replay. Donc là, j'ai mon fichier ici. Je pense que j'ai encore mon fichier phase-ntp qui est le TCP dump que vous voyez quand je faisais phasing-ntp tout à l'heure. Puis là, si je fais j'ai pas l'exemple, mais c'est ce concept, il va juste changer l'adresse. Donc là vous pourriez faire toutes les modifications que vous voulez sur les paquets, puis les relancer. Là il ne faut pas oublier un truc, c'est que là ici on est en UDP ou UCMP, c'est facile parce que là on peut juste injecter des paquets. Il ne faut pas oublier que si on est en TCP, il y a toute la partie de gestion de connexion à faire, parce que là on fait vraiment tout à la main, donc ça c'est vraiment important. Ici je vais pas montrer la démo, mais je fais un truc qu'on n'a pas internet, et ça c'est un place route en TCP. Donc là ici, tout ce que je fais, c'est faire varier le TTL de 0 à 25 et j'envoie un SYN à destination de l'adresse. Puis si jamais je l'ai reçu, je vais recevoir la réponse. Donc ça permet de automatiquement interagir directement depuis un shell Python avec les résultats de transport FlyAnswer. Si c'est un autre exemple, pour tester si votre ISP peut bloquer sur le port source. Donc là ici, on va faire varier le port source de 1024 à 65000, puis on va envoyer les paquets. Puis à la fin, on va juste afficher ceux qui n'ont pas répondu. Donc si jamais vous détectez du filtrage bizarre qui est fait sur un port source, vous allez pouvoir voir quel port source c'est. Maintenant, c'est fait l'un après l'autre? Oui, l'un après l'autre. C'est vraiment... Donc le timeout pour faire ça. Oui, c'est ça. C'est pour ça ici, on met un timeout de 30 secondes ici, mais on peut le changer ici comme on veut. Ça, c'est un paramètre qui s'applique à la fonction de send et receive. Donc, là, je vous montrerai un exemple un petit peu plus évolué juste avec TCP. Donc TCP, on est habitué à avoir la notion de SYN, le client envoie un SYN, le serveur envoie un SYN ACK, le client envoie un ACK, puis après on a une session TCP établie. Et il y a un an à peu près, il y a quelqu'un qui a commencé à jouer un peu sur les RFC, puis ils se sont rendus compte qu'un SYN ACK, en fait, c'est un paquet SYN et un paquet ACK, c'est pas forcément obligatoirement un seul paquet. Donc ils sont amusés à tester un peu les différentes implémentations, puis ils ont trouvé vraiment beaucoup de problèmes. Parce qu'en fait, c'est possible de faire un TCP en 4 paquets ici. Donc ici, ce qu'on fait, c'est que le client va nous envoyer un SYN, le serveur va répondre à un autre SYN au lieu de renvoyer un SYN ACK. Ce qui est intéressant, c'est que quand le serveur envoie un SYN, le client renvoie lui-même un SYN ACK. Donc là, ça inverse un petit peu le concept de session, parce que tous les IDS puis les firewalls sont basés sur le SYN ACK pour détecter les sessions établies. Ils se retrouvent avec le client qui vient d'établir, le serveur qui vient d'établir une connexion avec le client au lieu d'être l'inverse. Donc, puis ça, c'est supporté dans les RFC, puis ils ont trouvé vraiment beaucoup de problèmes, puis ils ont trouvé encore avec ça, parce que les IDS basés là-dessus, ils n'aiment pas vraiment ça. Donc là, je vous montrerai rapidement ici, donc ça, c'est une boucle ici, donc ça utilise le sniff que j'ai parlé tout à l'heure. Ici, tout ce qu'on fait, c'est attendre un seul paquet. Quand il y a destination du port 80 et que c'est un SYN, j'explique pas, je vais envoyer le paquet. Donc là, je vais vous montrer rapidement. Donc ici, ça, c'est là, j'ai une VM ici. Là ici je simule un serveur TCP ici qui écoute sur le port 80, puis lui il va se connecter ici. Donc là si on regarde, je pense que ça va cette fenêtre, Mongo ici. Donc là ici je me connecte. Voilà, donc là ici le netcat ici vient d'établir une connexion. Si on regarde le netstat, on voit que la connexion ici elle est établie. Donc point de vue du kernel tout va bien. Puis si on regarde un petit peu au point de vue des paquets, on va voir que le client nous a envoyé un SYN, le serveur nous a envoyé un autre SYN, le client lui-même nous a envoyé un SYN ACK, enfin ACK. Donc ça, on a vraiment un TCP qui est inversé. Puis ça pourrait permettre d'établir une connexion à l'envers dans un réseau. C'est intéressant. Puis ça c'est juste pour s'amuser aussi à un canal caché en DNS. Donc DNS c'est pratique parce que c'est utilisé partout, puis c'est autorisé partout surtout. Surtout sur la plupart des portails captifs. Donc là, je ne détaille pas, mais ici, on fabrique un paquet DNS complètement valide, puis on va l'utiliser pour envoyer et recevoir des données. Donc, si on regarde juste rapidement. Ici. Okay. Donc là, ici, j'envoie.
toi, salut. Puis il m'affiche ici, salut, donc il a bien reçu mon message. Mais par contre, si on regarde sur le réseau ici, on va voir si je recommence. Salut avec deux L. On voit ici, c'est un beau paquet DNS ici complètement valide. Donc, puis si on regarde un peu plus en détail. Un paquet DNS à destination bah, qui est une réponse à Google ici qui donne l'adresse IP. Si on regarde, c'est sûr que si on regarde après les champs du paquet, on va trouver la chaîne parce que là c'est pas encrypté, mais là après vous pouvez utiliser votre imagination, tout ce que vous voulez pour cacher plus de données, cacher du IP là-dedans. Voilà, je pense que c'est le tour. Donc c'est ça. C'est la réponse. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, il y a une petite doc de Scapy. La démo, les slides elles sont sur l'adresse ici. Une compétition de sécurité. Ouais. Si vous avez des questions, je sais pas si on a du temps. Merci Julien. So, I'd like to wrap up the session thanking our sponsors again. So thank you, UCAM. Benelux, Savoir-Faire Linux, Ludia, QNX, Le Site, and iWeb. Thank you very much, guys. And so, Mathieu here, he's going to stand up. He's the guy who's going to lead you to Benelux. They're just across. There's two beers. One from Benelux. There are two beers. And one from Le Site. Wow. Okay, so you get two free beers. That's like twice as awesome. But you are going to go across the street. And you're going to follow Mathieu. And he is going to be the one providing you with free drink tickets. And of course, just because you get a free beer doesn't mean you should not tip the waitstaff. Please tip them generously. Thank you very much.